Merci à vous tous d'être venus très nombreux pour affier, pour fêter cette 53e Saint-Vincent tournante du Chablisien. Et sans attendre, je vais donner la parole à son président, Sébastien Christophe. Merci, Yvon. Donc j'ai forcément prévu de vous faire un petit discours que j'avais adapté parce que je pensais qu'il allait faire beaucoup plus beau que ça. Donc je pense qu'on va essayer de remettre un petit peu de soleil sur le discours. Et apparemment ça s'éclaircit côté Chablis, et comme les Chablisiens sont sympas, ils vont nous envoyer le soleil. Je prends mes notes. Hein. Merci. Le boy. Il a fait ça depuis quelques semaines, il n'arrête pas. Village de Fier et ses habitants, les Mitouzins, voire les Milouzins, les Filouzins, les Fitouzins. Bref, on ne sait plus comment il s'appelle. Même ce nom de Fier, qui a changé lui aussi comme Fier-les-Chablis ou Fiacus à l'époque gallo-romaine, j'ai même entendu récemment qu'on avait un panneau Chablis maintenant. Donc voilà. Malgré sa taille, il a su traverser toutes les époques, ce petit village d'un peu plus de 120 habitants, voire 130 habitants si on compte les poules, les chiens et les autres animaux de compagnie à peu près domestiqués, on va dire. Ce village, voire quartier de Chablis, vous remercie immensément de votre présence, mais également nous remercions nos officiels, les élus, les nommés, les partenaires, les sponsors et tous ceux que je pourrais oublier. Mais surtout, ceux que je ne vais pas oublier, c'est bien sûr tous les bénévoles pour cette organisation qui a été longue à mettre en place. Merci à eux, surtout. Alors comme je vous le disais, une belle journée, oui, parce que je pensais que la météo allait être plus sympathique. Voilà, mais c'est pas forcément un hasard. Hein. On dit souvent, à Chablis, il y a une petite légende qui traîne, et on dit que le maire de Fier a le bras long. Alors en fait, cette petite légende, elle vient d'une vieille histoire où à l'époque, les conseils municipaux se faisaient souvent dans les caves. Et puis lors d'une de ces réunions, il y avait un indiscret qui écoutait un soupirail et il s'est fait attraper par le callback par le maire de l'époque. Et donc on ne sait pas ce qu'il est devenu, mais voilà, on sait que ça a forcément ralenti un petit peu la diffusion de commérages sur les réseaux sociaux de l'époque. Pardon. Je suis un peu perdu. Il y a une autre légende à Fier. Celle-là, j'ai hésité à vous la faire. Hein. On raconte à Fier qu'il existerait une fameuse Gougne qui appartient à... Une fameuse vigne, pardon, qui appartient à Gougne. Donc la fameuse Gougne à Fier. Mais on la cherche toujours. Hein. Voilà, on ne l'a pas trouvée encore parce que les gars de Fier travaillent bien. Je voulais aussi vous parler de l'association ornithologique du secteur, du département, qui nous a installé des nouveaux pylônes avec des câbles pour les oiseaux. Je voulais en parler un petit peu de ces perchoirs qui démarrent depuis Chablis tout le long des grands crus, en plus c'est formidable, et qui arrivent jusqu'à l'entrée de Fier. Donc ils en ont mis aussi un petit peu sur les communes aux alentours. Alors j'ai voulu prendre des informations, faire des recherches pour savoir ce que c'était comme oiseau, mais on a des problèmes de connexion, alors j'ai pas réussi à trouver. Voilà. Donc encore merci à tous, hein. Discours rapide, c'est toujours les plus courts qui sont les meilleurs. Je vous remercie tous, je vous souhaite une très belle Saint-Vincent. Surtout, prenez du bon temps et profitez de l'instant présent. Merci beaucoup. Merci Monsieur le Président. Il y a au moins deux pages, hein. Ça va être plus long. Non, il y a quatre pages. Si j'ai écrit gros. Bien. Comme on est le quartier de Chablis, on peut faire des efforts avec Madame le maire. Attends, faut que je regarde qui. Et qui nous ont aidés un petit peu aussi. Parce qu'il faut que je dise bonjour à tout le monde, moi. Ah oui, mais moi je suis obligée. Nicolas Sauré, bonjour. Donc, vice-président à la région. Dominique Verrien, bonjour, sénatrice. Je vais dans l'ordre, hein, c'est plus simple pour oublier personne. Étienne Boileau, président de la communauté de communes.
Monsieur le préfet. Sébastien, on ne te présente plus. Mes amis les piliers, parce que c'est très important. Mesdames et messieurs les élus qui sommes devant moi, qui êtes devant moi, pardon. Et mesdames et messieurs, je voulais simplement faire un petit mot avant de commencer. Je voulais dédier cette Saint-Vincent 2024 à Jean-Claude Simonet qui nous a quittés vendredi matin, sereinement, paisiblement, mais qui est quand même à l'initiative de toutes ces Saint-Vincent. Donc je vous demanderai d'avoir une petite pensée pour lui, mais je pense qu'il nous regarde et qu'il est heureux d'avoir cette Saint-Vincent dédiée pour lui. Amis de la Saint-Vincent, bienvenue. Quel bonheur de vous recevoir ici à Chablis, dans ce petit écrin qu'est Fier. Je suis heureuse de vous voir aussi nombreux. C'est que l'accès n'a pas été si compliqué. C'est vrai qu'entre les blocages agricoles et l'enclavement de Fier, il y avait mille raisons de ne pas arriver jusqu'à nous. Mais peut-être devrais-je profiter de la présence de nos parlementaires, de Monsieur le Préfet, pour demander une petite déviation afin de désenclaver et d'améliorer la sécurité du village. Qu'en pensez-vous ? Il n'en sera rien. Il me semblerait inapproprié et irresponsable de défigurer la pleine nature qui nous entoure avec du bitume et du béton. À charge de tout à chacun d'être attentionné de la sécurité d'autrui. À force de sécuriser, de réformer, de paperasser, d'ouvrir des parapluies à n'en plus finir, ou simplement de satisfaire ou de ne pas déplaire à quelqu'un ou à quelqu'une, on en perd le sens commun et arrivons à des situations ubuesques comme celles que nous vivons aujourd'hui avec les agriculteurs. Mais pourquoi la France est-elle devenue une telle usine à gaz ? Imaginez une seconde, si l'on pouvait récupérer cette énergie, méthaniseurs et éoliennes arrêteraient de fleurir et de diviser. On pourrait chauffer la France entière. On marche sur la tête et malheureusement une réalité, quel qu'en soit le domaine. Alors que nous pourrions vivre heureux, certains se torturent l'esprit à trouver des problèmes à chaque solution. Mais ce jour est fête, et je dirais même plus, cette année est fête à Chablis. Outre la grande fête du Saint-Patron, 2024 sera une année riche en termes de manifestations. La Saint-Vincent tournante lance le temps de départ de cette année si particulière et si exceptionnelle avec le passage de la flamme olympique le 11 juillet. Je vous espère encore plus nombreux pour cet événement unique en son genre pour notre ville. Mais revenons à notre saint. Sachez quand même que Chablis est le berceau préféré de Bacchus, puisqu'il y festoie quatre fois sur la boucle des villages qui accueillent la Saint-Vincent tournante du Chablisien. Mais ne dit-on pas, un jour tu es venu à Chablis, toujours tu y reviens. Non, ça c'est de moi. En effet, avant d'être des quartiers de Chablis, Fiemilly et Poinchy étaient des villages indépendants. Afin de garder le côté si important de la convivialité intergénérationnelle, la ville a choisi en son temps de maintenir ces trois fêtes tant que les comités organisateurs arriveraient à en assumer l'organisation. Je tiens justement à féliciter le comité et son président, mon cher Sébastien, car c'est un énorme défi, autant en décoration toujours aussi magnifique qu'en sécurité toujours plus affûtée. Cette fête de Saint-Vincent déplace les foules. Elle fait partie des moments forts et incontournables de notre bassin viticole. Vous venez du Chablisien, de Lyon, de France et même du monde entier. Peut-être peu de fêtes peuvent se féliciter d'un tel engouement. Et ce, depuis tant d'années. De surcroît dans de petits villages qui chantent chaque année. De ceci découle cela un intérêt économique favorisé pour l'ensemble de notre territoire. Cette notoriété est à entretenir d'année en année, et j'ai confiance aux protagonistes qui donnent le meilleur d'eux-mêmes depuis 53 ans afin de rester en haut de l'affiche. Fier qui accueille aujourd'hui s'est surpassé. Vous pourrez au fil des rues ou au détour d'un caveau
ravir pupilles et papilles. Faites des photos, partagez sur les réseaux sans modération. Le monde entier doit profiter de cette journée qui se prépare depuis combien de temps ? 3 ou 4 ans ? Alors, ma blague, elle tombe à l'eau. Je suis désolée, mais je vais quand même vous la dire. Puisque n'en déplaise à André, que je n'ai pas vu. Mais il est où ? Ah ben André, monte, elle est pour toi. Celle-là, elle est pour toi. Ah mais alors celle-là elle est pour toi. Je l'ai écrit pour toi. Alors je recommence. Alors depuis combien de temps ? 3, 4 ans. Puisque n'en déplaise à André, ici présent, qui préfère le naturel aux fioritures. Fléhi n'en finissait pas de se faire belle, voire très belle, avec un petit peu de rouge par-ci, un petit peu de rose par-là. Il faut avouer que ces dernières années furent compliquées et qu'il a fallu bien du courage pour ne pas abdiquer. Bon, le point positif, c'est que Fontenay, au taquet, ils sont prêts pour 2025. Bravo. Aujourd'hui, 4 février 2024, la cuvée Saint-Vincent est excellente. Et l'omelette aux truffes de Marc, sublime. Fier est un îlot de fleurs rythmé par des ambiances musicales et de la bonne humeur à partager sans modération. Chaud et haut les cœurs, laissez-vous porter par cette ambiance qui n'appartient qu'à la Saint-Vincent. La magie est prête à opérer. Hors du temps, hors des tumultes, laissez-vous porter. Alors, attendez... Attendez. Vous pouvez faire comme moi si vous voulez. Je lève mon verre à Saint-Vincent, patron du vigneron, qu'il préserve notre terre de la bêtise humaine, pour ne pas dire autre chose, qu'il nous permette aujourd'hui comme demain d'élever ce merveilleux nectar apprécié du monde entier et qui fait la richesse économique et touristique de notre territoire et de Lyon. Mesdames et messieurs, je vous invite à honorer Saint-Vincent comme il se doit, sans oublier qui ? Sainte modération. Mesdames et messieurs, je finirai par ces quelques mots, comme mes amis piliers, ainsi soit-il. Amen. Amen. Et vous pouvez regarder le Marie-Josée avec son verre quand elle le lève. Vas-y, tiens-le. Voilà. Eh bien, en fait, on a utilisé sa main et le verre pour faire le logo de la Saint-Vincent. Merci. Bon, je vais donner la parole à notre député puisqu'il est arrivé. André. Alors, tu as eu le temps de préparer le discours. Tu me donnes combien de temps ? 1 minute et demie. Bon, alors mon cher Yvon, merci pour ton accueil. Hein. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Est-ce que monsieur le curé est là ? Bon, parce que je voulais m'excuser de ne pas être venu à la messe. J'avais une vache qui faisait veau ce matin. Non, mais alors j'explique souvent que... Moi, je fais du blanc. Je fais du blanc, mais c'est pas du chardonnay, c'est du charolais. Voilà. Et je suis le père de la formule, hein. Et puis comme on m'a demandé d'être très court, je vais vous adresser la deuxième, mais que vous connaissez déjà. Et je vais dire à Madame le maire de Chablis, merci pour son accueil. Par contre, peut-être avant, je voudrais demander à Sylvie de venir, là. Voilà. Sylvie Charpignon, ben oui. Ma chère Sylvie. Voilà, Sylvie est conseillère départementale. Elle est le binôme de Patrick Gendreau. Ben, on regrette l'absence de Patrick et on lui souhaite en tout cas depuis cette tribune eh bien, de traverser rapidement la zone qu'il traverse en ce moment. En tout cas, c'est le vœu le plus fort que je forme à son endroit. Alors j'étais en train de vous dire que je vous adresserai une deuxième formule. Alors tant pis pour ceux qui la connaissent, mais j'en ai aussi la paternité, mon cher Yvon. Tu le sais ? Monsieur le préfet, bonjour, je vous avais pas vu. Voilà, et puis je terminerai par là. Le cassis est au vin blanc,
ce que le maquillage est aux dames. Vous la connaissez? Alors dites la suite. Bah alors, eh ben lorsque le premier n'en a pas besoin, les deuxièmes non plus. Voilà. Allez, bonne fête de Saint-Vincent et puis bonne journée. Et vive le vin blanc. Merci. Nicolas. Je donne la parole à M. Nicolas Sauré, vice-président au Conseil régional. Bien, monsieur le préfet, monsieur le député, madame la sénatrice, monsieur le président de l'intercommunalité, madame la conseillère départementale, mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être à Fier aujourd'hui. Alors moi, j'ai pas de formule. J'ai appris qu'André Villiers avait à peu près la même depuis quelques décennies. Alors, il va falloir que je trouve la mienne parce que je compte bien revenir quelques décennies aussi. C'est ça, c'est la pédagogie. Je suis très heureux, au nom de la présidente de région, Marie-Guide Dufay, d'être à vos côtés aujourd'hui pour célébrer nos terroirs, nos traditions, nos climats. Et je sais qu'ici, on est particulièrement fiers d'être bourguignons. Alors, je ne pouvais... Celle-là, j'avais essayé de la faire. Bon, elle est tombée à plat, mais j'avais quand même décidé d'essayer de la faire. Très heureux de vous retrouver parce que le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté... Madame la maire, vous avez dit, vous faites ici la richesse du Chablisien et de Lyon. Non, vous faites la richesse du Chablisien, de Lyon et de la région Bourgogne-Franche-Comté. Et nous le verrons d'ailleurs, dès la semaine prochaine, où nous serons au salon Ensemble Wine Paris, ce salon international du vin, où la région Bourgogne-Franche-Comté a le plus gros des pavillons. On se tire la bourre avec une région viticole du sud-ouest de la France, là. Mais chaque année, on essaye de faire un pavillon plus grand pour accueillir encore plus de monde, pour promouvoir la Bourgogne-Franche-Comté, Urbi et Torbi, sur l'ensemble du globe. Donc nous serons un certain nombre, la semaine prochaine, à porter les couleurs de notre territoire. Et puis nous nous retrouverons, bien sûr, d'ici 15 jours maintenant, au Salon international de l'agriculture, pour pouvoir porter nos couleurs, nos terroirs, nos produits et les producteurs. La Bourgogne-Franche-Comté tient à cette filière viticole. Nous y mettons des moyens, notamment pour promouvoir le vin. Nous y mettons des moyens aussi pour anticiper la suite, pour voir ce que pourraient être les conséquences du réchauffement climatique et nous y préparer. La Bourgogne-Franche-Comté est aussi aux côtés des jeunes agriculteurs et de l'ensemble des producteurs à travers les mesures européennes dont nous avons reçu délégation. Nous le savons, et on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt, monsieur le préfet, le transfert de compétences entre l'État et la région n'a pas été sans mal, ni ici, ni ailleurs, mais ça y est. Nous avons, grâce aux chambres, et je le dis grâce aux chambres d'agriculture, permis de retrouver au fil de l'eau la gestion des dossiers, et on va retomber sur nos pattes. C'était important que chacune et chacun puisse profiter des fonds publics qui sont disponibles pour nous permettre de produire plus, de produire mieux. Merci de votre accueil, merci à la Saint-Vincent, bravo à son président que j'ai perdu, qui est là, et à l'ensemble des bénévoles qui l'ont accompagné. Je mesure ce que doit être l'organisation d'une jolie fête populaire comme celle-ci. Vous auriez aimé plus de soleil, moi je sens qu'il est dans les cœurs. Alors, belle journée à vous et merci de votre accueil. Merci Nicolas. Je vais donner la parole à notre sénatrice Dominique Verrien. Merci, grand architrave. Bonjour à tous. Bonjour, alors, monsieur le président, madame le maire, monsieur le président de la communauté de communes, madame la conseillère départementale qui s'est de nouveau cachée, monsieur le vice-président de la région, monsieur le député et monsieur le préfet. Alors, moi, je vais rebondir sur le soleil. Effectivement, il n'est peut-être pas dans le ciel, mais il est dans les cœurs. Il est surtout dans toutes les décorations. Et finalement, ces décorations embellissent et rehaussent la beauté déjà de ce village. Et donc, comme quoi, quand on y rajoute une petite chose, ça peut aussi s'améliorer, ça peut rendre les choses vraiment plus belles. Certains choisissent de mettre une moustache, d'autres de mettre un peu de rimmel. Eh bien, c'est pour que ce soit plus joli. Voilà, ça fait longtemps que la présidente à la délégation aux droits des femmes avait envie de répondre aux députés, c'est fait. On verra ça après.
Et donc, puisque je parlais de cet embellissement du village, c'est vrai qu'entre les glycines, les jeunesses, c'est vraiment absolument merveilleux. Donc, félicitations à tous les bénévoles. On félicite toujours les vignerons, c'est important. C'est aussi d'ailleurs du jaune pâle et du soleil qui rentre dans nos cœurs et dans nos gosiers. Mais franchement, vous avez fait un travail formidable. Donc, félicitations à tous les bénévoles. J'ai cru comprendre que la cuvée de cette année serait très bonne, donc je pense que c'est sur, c'est une bonne année qui s'annonce. Eh bien, tant mieux, parce que je ne veux pas être plus longue, je ne reviendrai pas sur les difficultés agricoles et viticoles. Vous le savez, je suis à vos côtés, et vous êtes très probablement le métier qui, ces 20 dernières années, s'est le plus transformé, a le plus évolué, a le plus fait évoluer ses pratiques et a le plus amélioré ses qualités, surtout en viticulture, on peut le dire. Donc, je suis de tout cœur avec vous, mais je suis heureuse que ce soit une très bonne année. Et donc, très bonne Saint-Vincent à tous. Merci. Je donne la parole à Monsieur le Préfet, Pascal Jean. Ce n'est pas un passage. Monsieur le député, Madame la sénatrice, Monsieur le conseiller régional, Madame la conseillère départementale, Monsieur le Président de l'intercommunalité, Mesdames et Messieurs, cher Yvon, Mesdames et Messieurs les piliers. Alors, quand on est préfet, évidemment, le discours est normalement un peu plus institutionnel. Normalement, j'ai dit. Donc, je vais quand même être un petit peu institutionnel, vous dire d'abord, tout d'abord le plaisir que j'ai d'être ici avec vous. Madame la sénatrice l'a dit, c'est toujours lorsqu'on n'est pas habitué à ce genre de manifestation, c'est ma deuxième. Les décors, enfin la décoration est magnifique et on mesure tout le travail qui a été fait par les uns et par les autres, par les bénévoles, pour faire que cette Saint-Vincent soit une fête à la fois populaire, mais festive, même si je crois qu'elle a commencé déjà dès hier, en tout cas hier soir notamment, donc pour un certain nombre d'entre vous. Et donc c'est un plaisir d'être avec vous. Mais la Saint-Vincent, c'est le vin, ce sont les vignerons. Et en tant que préfet, moi je suis assez fier, même très fier, d'être à la tête pour l'État d'un département qui non seulement produit un vin de qualité, dont la renommée dépasse très largement les frontières de la Bourgogne-Franche-Comté, très largement d'ailleurs, mais également un vin de qualité, mais derrière, c'est aussi un art de vivre. Et on mesure combien cette terre viticole, finalement, c'est aussi beaucoup de tradition, beaucoup de vie, et finalement aussi beaucoup de travail. Et je tiens à souligner ici le travail qui est fait par les hommes de la terre, en réalité, au-delà des viticulteurs. Ça vaut pour les éleveurs, ça vaut pour les agriculteurs, de façon générale. Et au vu du contexte, que je peux vous dire, j'anticipe peut-être certains propos, cher Yvon, au vu du contexte de tout à l'heure, au vu du contexte, sachez quand même que les relations entre l'État et les acteurs, de façon générale, sont dans Lyon extrêmement bonnes. Les relations sont très amicales et on a du travail qui est toujours fait, qui sera encore fait pour améliorer les choses. Et puis, pour ne pas être trop long, je vois quand même les anneaux olympiques. C'est quand même l'année des Jeux olympiques. La flamme, Madame la maire, passe à Chablis. Donc ça va être quand même une fête populaire. Et au vu de ce qu'on voit aujourd'hui, je ne doute pas du succès de l'animation qui sera celle du 11 juillet. Voilà, je ne vais pas être plus long. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne Saint-Vincent. Merci à vous. Merci. Bravo. Merci, Monsieur le Préfet. Bon, mes chers confrères, on va se donner la parole maintenant. Mesdames, Messieurs, chers tous, en vertu des mémoires qui m'ont été spécialement conférées, je déclare en ce 4 février de l'an 2024 l'ouverture du 1015e chapitre de notre confrérie, chapitre dit de la Saint-Vincent tournante de Fier. J'ordonne, pour en marquer la solennelle ouverture, que soit frappé par toute cette noble assistance un double banc bourguignon. La 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 la
La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la